Bonjour, je suis Yolande Goudreau et bienvenue à la présentation du programme de technique de recherche et de gestion de données, TRGD. D'emblée, j'aimerais vous préciser que le Collège Rosemont est le seul cégep à offrir ce programme au Québec. Alors, que font les techniciennes et techniciens en TRGD dans leur quotidien? Ils vont premièrement collecter des données, des informations. Ça peut être des données primaires par le biais de questionnaires ou d'entrevues, ou des données secondaires en naviguant sur le web et en consultant des sites de statistiques ou des bases de données ouvertes. Par la suite, ils vont organiser, traiter ces informations-là et les analyser pour enfin les communiquer par graphique, par tableau, dans des rapports de recherche, en faisant des affiches scientifiques ou encore avec des tableaux de bord. Donc, ils vont vulgariser le tout pour qu'on puisse arriver à faire des recommandations ou à faire une prise de décision, à prendre une décision. Quel genre de décision on peut prendre avec ces données-là qui ont été colligées? Eh bien, j'ai quelques exemples. Où doit-on développer une bande cyclable, par exemple? Que doit-on faire pour privilégier, pour contrer les îlots de chaleur? Ou quelle émission de télévision doit-on mettre en onde? Ce sont des questions auxquelles nos techniciens peuvent répondre. Alors, après leurs études, nos techniciens vont occuper des postes de techniciens en recherche, mais aussi d'assistants de recherche ou de techniciens en information. Ils trouvent souvent des emplois dans les secteurs de la santé et des services sociaux, pour certains ministères ou encore dans des enseignements, dans des institutions d'enseignement. J'aimerais aussi préciser que durant leur parcours scolaire, les étudiants vont faire un stage de 7 semaines qui peut être réalisé partout au Québec et même en France parce que nous avons une entente avec des institutions à Grenoble et à Lyon, entre autres. Alors, si vous êtes curieux, si vous avez un esprit logique, analytique, si vous avez le souci du détail ou si vous connaissez des gens qui ont ce profil-là, je vous invite à aller consulter la page web de TRGD pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Au revoir.